Bon, salut à tous, on se retrouve pour un petit Battlefield 2042 là, et j'avais même pas vu en fait, il y a de la conquête à 128 joueurs. Donc en 64 contre 64, donc on va se tester ça directement parce que ouais, c'est quand même quelque chose de cool quoi. Donc on va se tester ça, et puis en même temps, comme ça, on va monter les armes. J'avais déjà joué cette map, effectivement. Mais ouais, il va falloir que j'utilise la petite PM là. Je pense que je vais partir en assaut comme d'hab, mais je vais me foutre la PM parce qu'on avait vu qu'en faisant des kills avec la petite PM là qu'on a de base, on pouvait se débloquer la M416 et puis après bon bah je pense qu'à la fin de cette game là normalement on devrait passer au moins niveau 19 pour pouvoir peut-être se tester la PP Bison. C'est la PP 29 du coup sur jeu mais. Voilà, on va s'équiper ça et on va partir là-dessus. Allez, let's go. Mon son est un peu faible, c'est normal, c'est sur mon casque. Oula. Normalement, je suis mort là-dessus. Okay. J'ai vu un man là-bas. Super. Ouais, c'est pas un kill. L'assistance mais pas un kill. Voilà. J'aime bien la petite PM là, elle est. Là, au niveau sensation de recul, elle est pas mal, j'aime bien. Ça va péter. Hop. Une cible de moi. Wouh. Ouf. Oula, merci, putain, j'ai bien fait de pas. Objectif sécurisé. J'ai bien fait de pas abandonner la vie au final. Ça fait y être chaud. Je balance les soumis. Charge, pas exploser. Bon, très bien. Une menace en moins. Voilà. Elle est même plus. Elle est même mieux qu'un. Qu'un fusil d'assaut, gros, de loin. C'est à ne rien comprendre. Non! Ouf. Oh merde! Oh, fallait qu'il y ait un rabat-joie pour venir me casser les couilles dans le dos, quoi. Putain! Je l'avais dosé, là. C'était pas très bien passé, mais j'avais la chance de mon côté, là. Il s'était loupé. Je vais faire le contour. Je vais contourner notre ami. Merci. À demain. Elle est pas mal en vrai l'arme. Hein. J'aime beaucoup. Elle a aucun recul par contre. Bah, elle a aucun recul. Hein. D'accord, donc c'est eux pour monter. Va falloir que je m'y fasse hein, petit à petit. Nous avons perdu l'objectif Charlie 2. Bilan de la situation. Ça va pas. Je pense que les caisses commencent déjà à gagner du terrain. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Oh merde! Oh, ça va, je m'en sors pas trop mal. On aille sur C1. J'envoie une grenade.
Oh merde, putain, c'est sans compter sur un mec au-dessus. Mais les duels, ils sont faciles à prendre, hein, avec, avec cette arme-là, là. Après, j'ai un petit IM aussi, mais... J'ai un IM qui est pas piqué, qui est pas piqué des hannetons, mais... Mais bon, c'est... Ah merde. De l'aide ou pas de l'aide? De l'aide ou pas de l'aide? Pas de l'aide? Pas de l'aide. Il faut que j'apprenne à attendre juste un tout petit peu comme ça. Juste voir. On va aller avec le poteau. Très bien. Ah merde, putain. Quel golem l'autre. Il peut pas regarder sa map. Putain, ça rend fou ça. L'autre il est venu regarder où j'étais quoi. Il est venu regarder là où il y a un allié à lui, tu sais. Il y a un moment donné. Merci mon pote. J'arrive. Bah merci. Super. Hein. Au moment où j'arrive. Ah merde, dommage. Mais ouais, les fights sont faciles à prendre hein, de cette manière-là. Allez, on va aller sur D1. J'ai l'air d'avoir du monde aux abords. Voilà. Allez. Ennemi abattu. Donc, il y en avait un là-haut là. Putain, regarde-moi cette pute là. Grosse merde. Grosse merde. Ah grosse merde. Si tu regardes mes vidéos là, Swiss mes couilles là, si jamais par une chance infime tu regardes ma vidéo, sache que ta mère c'est une grosse truie, voilà. Voilà, petite pute va. Hein, quand ça campe pas et que ça tue pas un mec, c'est pas dans le dos d'un mec, ça arrive pas à faire un kill hein. Bouffon va. Je vais te choper toi, si j'y arrive. Ah là 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 là, mais regarde-moi ces mecs là, vous prenez du plaisir à jouer au jeu comme ça, bande de tarlouses là, c'est quoi ça? Ah gros, les mecs ils ont aucune couille sur les jeux vidéo, putain, je fais que le répéter, mais les mecs ils ont pas de couille sur un jeu vidéo, imagine la taille de leur couille dans la vraie vie frère, les mecs ils passent leur journée à regarder leurs pieds dans les transports en commun, putain. Besoin de recharger. Tu veux pas que je te raise? Ah merde, salope. Bien joué. Ça en vrai c'est bien joué lui. Attends, ouais, 20 mètres, 10, 17 mètres. Non. 40 mètres. Ils viendront pas. Ils viendront pas. 17-8, ça va. B1, vite. Merde. Merde. Bah ouais, merde.
Je tentais des shoots là qui étaient un peu compliqués. Il y a personne à proximité. Il me manque une main, il me manque une main. Putain, regarde-les, ces couilles molles là-bas, là. Ah ouais, c'est des couilles molles. Des putains de sans-couilles, là. Je vais essayer de... Je vais essayer de longer intelligemment. Histoire qu'on puisse pas trop me voir. Avec toi mon pote pour les déloger. Putain, bande de branques. Voilà. Je t'avais entendu, toi. Restez en retrait. Il va pas réussir hein. On va le tenter mais on va attendre. Mais ouais non, il s'est fait baiser malheureusement. Ah, en face ça joue petite couille hein. Ça joue petite couille pour essayer de gagner. Ok, tout va bien. Nice. C'est bon, il n'y a plus personne ici. Ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Secteur Delta se contrôle américain. Activité ennemie à Charlie 2. Oh non. Oh c'est, putain, je loupe une de mes balles là. Ça a été fatal. Allez, le 1, le 1, le 1, le 1, vite. Quand même essayer de venir vous faire, vous. C'est bon. Je suis en train de recharger. M'a roulé dessus. C'est une bonne chose. On a sécurisé le secteur Alpha. Charlie 2.
C'est bon. Oh, au moins je l'ai eu. Pity la Tess. Il a dit, c'était quoi, Pity la Tess ou la Testas? J'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de voir. De toute façon, les deux sont marrants. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre. C'était plutôt cocasse. Pity la Tess ou la Testas. Petite merde, t'apprendras à camper. Oh putain, bien joué, j'arrive quand même à le toucher, mais dommage. Ouais, bon, on va aller là-bas, on va essayer de prendre le E2 du coup. La gueule des mecs, ça me détruit. J'ai vu un mec là-bas, ouais. J'ai dégommé une cible. On a réussi à s'emparer du secteur, bravo. C'était lui ou pas? Camarade à terre. Voilà. Merde. J'allais dire un vilain mot, heureusement que je me suis contrôlé. J'allais dire un mot qui était pas YouTube friendly. On va partir là-haut du coup, vu qu'il y a souvent des mecs qui campent. Peut-être y en avoir encore. Non. Et maintenant. Oh merde. Attaque lancée sur Charlie 2. Oh. Salaud. Par contre l'autre là, je lui ai mis un turn là avec le son là. Il devait être bien deg, il devait être en mode putain, je vais me baiser un noob dans le dos. Tu as cru, ouais. Tu as cru, l'ami. Voilà les plots. Oh, salaud.
Regarde-moi cette campeur, cette camp merde en plus là, j'ai un mélange entre ce campeur et cette camp merde. C'était un mélange des deux. Ah, je suis en haut moi aussi du coup cette fois. Parce qu'il y a toujours un connard là ici, ouais. Voilà. Viens là toi. Grimpe en place. Non merde, salaud. Bon, faut que je change, faut que je bouge là parce que je vais pas y arriver comme ça. Elle est précise l'arme, hein, même à longue distance, mais là c'est trop longue distance là. Hein. Beaucoup trop longue distance ici. Attaque amorcée sur Echo 1. Je vais passer, je vais faire le tour, hein, je vais faire la pute. J'ai que 40 balles donc. Oh non! Oh non, j'ai la haine. J'ai la haine. Bon, c'était pas mal, hein. Je m'en suis bien sorti quand même. 34-21, en vrai. Ça va, ça commence à. Ça commence à venir. Mais cette arme-là est sympa, hein. Vraiment. Cette arme-là est vraiment agréable. Ouais, 42 kills, pas mal quand même. Eh, je suis dans le tableau de la fin. Hein. Eh, mine de rien. Et pas mine de tout, mais mine de rien. C'est bien passé ça. Allez, on va juste s'arrêter au niveau de la conquête là. J'ai juste envie d'aller tester les modes à les petits modes là où il n'y a pas de véhicule, la rue MME là. Voilà, plus de la rue que du MME d'ailleurs, parce que MME bon. Pff, autant jouer à Call of pour faire du match à mort par équipe. Quoi qu'en vrai. Non, en vrai, non, c'est con. En fait, comme façon de penser, c'est débile. J'ai même pas vu mon niveau d'ailleurs, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait vraiment attention là. Toujours la même map, par contre ça fait chier un peu. Mais ouais, allez go. Go avec le frérot. Voilà, ça tombe bien. Elle est vraiment bien cette arme, le TTK il est costaud. Hein. Quoi? J'ai pas vu où il était. Merci. Merci la veine. Oh là 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 là. Ouais, Cassos TV, hein. Putain. Toi, t'es bien un Cassos, hein. D'accord. Oh merde. À 37 mètres, autant dire que c'est pas pour tout de suite. Ah oui, d'accord, ils ont pris ça. Ah, ils ont pris ça à vitesse grand V. Ah oui, c'est vrai que tu poses des bombes, c'est vrai. J'avais oublié, des fois j'ai tendance à mélanger dans mon esprit ruée et percée. Parce que c'est le même mode en vrai, quasiment, mais. La seule chose qui change, c'est qu'il y en a un où tu poses des bombes et l'autre faut prendre la zone, quoi. J'essaie de faire le contour. Je pense que je peux réussir à faire le taf. Putain de merde, l'autre il est arrivé ici.
Le team m'avait vu. Je sais pas si j'ai été ping, peut-être repéré par la petite balise qui était là. Je sais pas, je connais pas encore les accessoires, les conneries. Donc, c'est... C'est pas encore hyper limpide, tu vois, pour moi, de me dire, ok, ça c'était le truc, ça c'était le truc. Il y a des trucs, je vois, je me dis, bon, bah, ça ressemble à une tourelle. Alors, est-ce que c'est là pour détruire les gadgets comme un système trophy? Est-ce que c'est là pour détruire l'aérien? Est-ce que c'est une tourelle antipersonnelle? C'est pas encore ultra, ouais, ultra simple dans mon esprit, ultra fluide. Mais ça va venir. Oh bah putain, bien joué à lui. Youngstab là, il est... Ouais putain, il fait du 12-3, il est pas mauvais le garçon. Hein. Il est pas mauvais le gamin. Merde, putain. Et là, tu sais quoi, je vais peut-être y aller au sniper, hein, en vrai. Parce que là, je pense que j'ai fait mes kills, non, assaut. Est-ce que j'ai débloqué la M416? Non, pas encore. Il faut encore que je fasse des kills. Bon, bah, on va continuer là-dessus. Hein. On va jouer en conséquence, par contre. Oh là là. Oh là là. Oh frérot, cette explosion! T'aurais réveillé un mort, cette merde! C'est bon, je suis en train de désamorcer. J'ai dégommé une cible! Recharge, couvrez-moi! Je fais mon petit taf, hein. Ouais, cette arme, c'est le feu, hein. Tous les petits mecs qui servent de la colline là. Non, 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 non. Et s'il n'y a pas un mec là, du coup, vu qu'il me tourne le dos, il n'y a pas un mec qui peut le. Ou alors faut que je les ping à chaque fois, mais. Ah mais gros, aide-moi, fils de pute! Mangeur de bite, va! Putain! Camarade au sol! Non mais, pourquoi... Pourquoi j'ai mon putain de truc de... à me soigner dans les mains, là? Oh là 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 là, mais mes mates, c'est des bouffeurs de zob, frérot! Putain, j'ai rien contre les bouffeurs de zob! Grand bien vous fasse! Oh là là. Oh là là. Bon, on peut pas accélérer le reload comme sur CS par contre. Ce que je vois.
lance une grenade. Ah oui, ok, c'est vrai que c'est moi. L'ennemi va en fait. Oh putain. Putain, ça aurait été tendu hein. Je m'en sors comment là-dessus? 12-7 en vrai, ça va, je suis en positif là tout du long, c'est pas mal. Par contre, ouais, juste après celle-là, j'ai quand même envie de regarder un peu plus grand nombre de réanimations, plus grand nombre d'éliminations. Ah, dégâts infligés, c'est moi qui ai fait le plus de dégâts. Ah, de l'escouade, oui. D'accord, ok, oui, d'accord, ça c'est un récapitulatif de l'escouade, ok, d'accord, super. Je suis trop con. La game d'avant, j'étais en mode oh putain, je sens le tableau de fin. Oh non, c'est juste un récapitulatif de ton escouade, mais c'est pas grave, frérot. T'inquiète. Garde la pêche et garde l'enthousiasme surtout. C'est ce qu'il faut. Alors, on va regarder maintenant. Parce que celle-là, là. C'était laquelle? C'était celle-là, ouais. Ah, 100 kills. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Il me reste un petit bout de temps avant de le. On va pouvoir le faire. Par contre, voilà, ça c'est bien. Ok, ça non, ça 35. Non, ça on perd quoi? On perd en portée. Est-ce que j'en ai un peu à foutre, quelque chose à foutre ou pas? Après le recul est quand même, mais ça m'améliore la cadence de tir. Elle sera encore plus violente et j'ai 5 balles en plus. Donc après je vais quand même me mettre celui-là au cas où là-bas. Mais ça sera celui-là qui sera équipé. Du coup, précision à la visée, précision des tirs au jugé, fait aveuglant. Bon, ouais, hein. On va mettre celle-là pareil en deuxième, hein, mais on s'en fout un peu. Par contre, pareil, ouais, celle-là, là, on va mettre ça, et on... Non, on va mettre, voilà, comme ça. Ça sera mieux. Mais du coup, celle équipée, ça sera le petit viseur. Et ouais, du coup, on va s'en relancer une parce que du coup, au niveau profil, je suis comment là? Je suis comment, s'il vous plaît? Ouais, ouais, voilà, j'ai bientôt passé 19, donc comme ça, on pourra se faire notre petite classe avec la PP Bison au moins, même si j'aimerais bien aussi tester la P90, mais la P90, ça sera pas tout de suite, je crois. Hein, P90, BF3, pourquoi BF3? Élimination et distance, P90 ou K30? Putain, il va falloir que je trouve le 430. Ah, c'est ça le 430. C'est le vecteur en gros, le 430. Putain, pas forcément envie de jouer au 430. Mais dégâts infligés au pistolet mitrailleur. Bon, ça va se faire au fur et à mesure du coup. Bon, bah écoutez, on va s'en relancer une petite parce que c'était assez rapide. Donc bah, là par contre, on va peut-être se lancer un match à mort en vrai. Histoire de faire de jouer en rapide. Ce sera peut-être un peu plus rapide que de la ruée. A voir. Là, la seule chose que je veux là, c'est faire ouais 9000 d'XP. Là, je crois que c'était ça, 9000 d'XP. Histoire d'atteindre le niveau 19, et comme ça, on va se faire une petite classe PP Bison. Puis après, bah, du coup, faudra que je vois comment je débloque le K30 pour avoir la P90. Même si je crois avoir vu que la PP Bison mais finalement était un peu mieux quand même que la P90 parce qu'elle avait plus de portée et plus de maniabilité je crois que la P90. Avec le frérot. Ah bah le frérot il est mort. Le frérot il a succombé. Tu nous fais à camper tes grands morts ici, toi. Ah, par contre, j'ai peur qu'on voit personne et le seul moment où on va voir quelqu'un, on va se faire laver. J'en ai bien peur. Ennemi abattu. Besoin de recharger. Grenade pour l'ennemi!
Oh, dommage. Dommage, ça. J'aurais pu avoir les deux. C'est bon, ça repart. Sympa cette arme. Hein. Une menace en moins. J'arrive, j'arrive mon pote, j'arrive. Allez, bouge-toi un peu. Ouais. Oh non, dommage. Quelqu'un pour me relever ou moi par contre je peux aller me faire foutre. Ah apparemment j'ai le droit d'aller me faire foutre apparemment. Ouais. Apparemment moi je relève les potes et j'ai le droit d'aller me faire foutre. Super. Bon ben je relèverai plus jamais personne. T'inquiète pas là-dessus. Il y a pas de souci. Il y a aucun souci. Ça veut jouer perso, bon, on va jouer perso mon pote. Il y a aucun problème. Surtout je vais retenir son blaze là, Dragon là, ou je sais pas comment il s'appelle, Drago King ou je sais pas quoi là. Je le relèverai plus pour aller surenculer. Je regarderai son cadavre et je lui sourirai au nez. Oh non, dommage. Oh, j'ai la haine hein. J'ai la N-Max. Balance une grenade. Drago the King là, lui, je le relèverai jamais. T'inquiète pas pour ça. Bah la pépévision, la fameuse. Oh merde. Ah, le seul moyen de me tuer c'est au lance-grenade hein. Allez. Bande de couilles molles là. Allez, moi je suis pas un nerd à la base hein. Moi j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo quand j'étais adulte hein. Je préfère établir les choses. J'ai toujours joué aux jeux vidéo, mais quand j'étais jeune, vu que j'étais plus, enfin, je faisais du surf et tout, j'étais sportif dans le sens où là je fais de la muscu et tout, mais ça me prend pas genre toute ma journée, alors qu'avant vraiment je pouvais surfer pendant des heures et vraiment c'était mon passe-temps favori quoi. Hein, dès que je pouvais aller me foutre à la mer et tout, c'était mon truc. Mais ouais, du coup, je jouais vite fait, mais tu vois. J'ai eu un moment une grosse phase, c'était sur une espèce de copie de CS un peu. J'ai abattu une cible. Ça s'appelait Urban Terror. Merde. Ça s'appelait Urban Terror pour ceux qui ont connu. C'était sympa, c'était un mélange entre du CS et du Quake. C'était sympa. J'ai eu ma petite phase comme ça où dès que je rentrais du surf, je me calais sur le PC familial là. J'allais me faire ça. C'est quoi cette merde là? Oh salope, sans couille va. Oh là 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 là, dommage. Dommage, dommage. Bon pareil, hein, quand je dis sans couille, là, la team qui prend tout au pied de la lettre, là, c'est... C'est juste pour sortir une espèce de frustration, hein. Y a pas de...
tous les êtres humains qui ont pas de couilles, je leur chie pas dessus quoi. Voilà. J'ai dégommé une cible. Oh dommage. Bon. Je pensais qu'il aurait pu m'aider. Oh, premier de la game, eh. Pas mauvais le gamin. Pas mauvais le gamin pour la reprise. Il y a des petites actions là de la game qui vont sûrement être en short, hein, je préfère vous le dire. Grenade pour l'ennemi. T'as cru que t'allais t'en tirer comme ça toi? Oh non! Va te faire foutre! J'aurais pas dû sauter, je pense. Ça m'a niqué dans mon IM. Cible abattue! Oh là 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 là! Et l'autre. Non mais gros, l'autre il y va au bazooka! Les mecs, ils ont tellement pas de skill, gros. Pour te tuer, ils y vont au bazooka. Rends-toi compte. Restez en retrait. Allez. Ciao les gegs. Je suis juste le meilleur. Voilà. Ah, directement, hein. Quand c'est juste du skill et que c'est pas. Et qu'il y a pas de véhicule, qu'il y a pas de truc, hein. Bon là tu me diras les mecs ils y vont quand même au bazooka hein, mais bon. Quand même une belle game hein, que j'ai passé là, j'ai fait 2-3 actions. Il va y avoir du short qui va sortir là-dessus, je vous le dis moi, je vous le dis. Bon en tout cas, ah merde, non, revenir au menu. Donc ouais, on va se faire notre petite classe au PP Bison là, on va regarder ce qu'il nous faut là pour débloquer le K30, pour enfin pouvoir débloquer la P90. Ouais, alors ce viseur là, tu vois, bah je vais quand même le mettre à la place du 2, parce que le 2 il va me servir à rien, mais je pense que le point rouge, en vrai le point rouge il est monstrueux là, en vrai j'avais un IM là avec le point rouge, oh là là là, laisse tomber, même moi je me sentais bien là. Ok, on a une petite coudasse, et voilà, le PP29 là, PP29, PP29, la pause est terminée. Alors... Du coup, alors pour celle-là, ouais, je vais gicler ça et je vais mettre celui-là à la place. 1,50, c'est bien, c'est mieux que du 2 pour une arme comme ça. Tu on en a pas débloqué d'autres parce qu'après on a 40, si on a 40, ah ouais. Par contre, on perd en vitesse de rechargement, ouais, mais on a 40. Mais en vrai, je pense que celui-là c'est le meilleur. En vrai, je pense que c'est le meilleur parce que là vraiment, elle avait zéro recul, quoi. Hein. C'était un IM lock quoi, enfin c'est pas un IM lock parce que bon, enfin voilà, j'ai un bon IM certes, mais je suis pas non plus, je suis pas un dieu de l'IM, mais c'était quand même un bon trigger bot quoi presque, hein. c'était un recoil, voilà, ça filait droit quoi, il y avait pas besoin de compenser, hein. Que dalle hein. Alors suppression sonore, furtivité sur la minimap à 40 mètres et plus, et portée efficace. Ah, ça te nique un peu la portée. Ouais, ça te nique encore un peu la puissance de feu, mais... Parce que j'ai quoi qui me nique la puissance de feu? C'était quoi qui me niquait la puissance de feu? Faudrait que je vois, parce que ça peut peut-être être intéressant. Attends, on va la mettre à la place de ça, à la rigueur. C'était quoi? Précision des tirs jugés. Qu'est-ce qui me nique là? Ah ouais, c'était ça qui me niquait la puissance de feu. Mais tu me diras, en vrai, il n'y a tellement pas de recul que en vrai, si en plus j'ai pas de recul, la cadence de tir élevée, la vitesse de rechargement élevée, je fais certes moins de dégâts, mais qu'en plus de ça, je suis invisible sur les radars. Je fais pas beaucoup de bruit, comme ça les mecs qui est même les mecs qui sont à moins de 40 mètres là, bon, ils peuvent peut-être me voir, mais. Mais au moins au niveau du son, c'est calfeutré. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire des dingueries encore plus, tu vois.
À tester, ça c'est à tester. En vrai, mais ouais, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Donc là, on va s'équiper celle-là. On va voir. J'ai rien, hein, du coup, non. Ouais, j'ai rien. J'ai rien. Tu perds quasiment rien. Hein. Tu perds un peu en maniabilité vite zef. Ah non, si. Ouais, si, si. Je perds un peu en maniabilité, mais c'est vite zef. Et là, ouais, on a une balle lourde et puissante pour attaquer à longue distance. Ah, par contre, il faut 64. Ah, ouais, donc on aura les mêmes dégâts que l'autre là au final, mais ouais, frérot, on aura un contrôle du recul, une cadence de tir de fou furieux. Hein. Et 64 balles. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Et par contre, il n'y a pas de, y a pas, y a pas de, y a pas de poignée, par contre. Ça, c'est peut-être un peu embêtant, par contre. Bon, voilà, hein, on jouera celle-là, du coup. On jouera celle-là et voyons, ouais, faut qu'on regarde celle-là pour comment on fait pour la débloquer. Oh, niveau de 53, d'accord. Bon, bah, c'est pas demain la veille. Pas pour tout de suite. Ouais, donc là, ouais. Malheureusement, ouais. Donc ça, c'est si j'ai BF3. Mais je l'ai BF3. Ah non, j'ai BF4 sur ce compte. J'ai pas BF3. De toute façon, BF3, ouais, j'y avais joué que sur console, je l'ai pas. Donc en gros, ouais, si j'ai B. Ça c'est Battlefield Bad Company 2, c'est ça? Bon, je vais pas acheter BF3 juste pour débloquer ces armes-là plus vite, hein. Je vous le dis, hein. Qu'on soit bien clair, hein. C'est pareil, celle-là je pourrais la débloquer, mais au final tu vois, elle va se débloquer très vite, hein. Là en 3 games, là j'ai fait 84, 83 kills, ça veut dire. Et en vrai. Et non mais cette arme-là c'est une folie furieuse par contre, hein. Cette arme-là c'est une dinguerie, hein. Ah, j'adore, hein. J'adore. Bon, bah les gens, on est niveau 19, ouais. Statistique. Élimination mort. Et au total, alors que c'était mal parti sur mes premières games, là où je m'étais fait péter le cul. Par contre, ouais, la précision, 77%. Waouh! Putain, sacrée précision. Putain, 77%, les gars. Fou, non? Eh, je suis un human IM bot, non? Merde, la précision, ça casse les couilles. Mais ouais, en vrai, pour avoir commencé le jeu récemment, pour être un noobs, entre guillemets, de ce Battlefield, même si je suis pas un noob des FPS, j'ai beaucoup joué à des FPS, notamment sur PC d'ailleurs. Mais même si je joue aux FPS sur PC violemment, que depuis que je suis adulte, et c'était pas depuis mes 18 ans, hein, c'était plus depuis mes 22, ouais, 22, 23 ans, que même un peu plus, peut-être 24, que je joue comme un acharné sur les FPS, et encore, comme un acharné, il y a encore pire que moi, hein, je veux dire, depuis la sortie de CSGO, j'ai 2000 heures, 2300, 2500 max, on va dire, je pense, 2500 max, depuis la sortie de CSGO, tu vois. Et après, l'autre jeu que j'ai le plus poncé, c'est Rainbow Six où j'ai 500 heures. Donc, autant te dire que bah, voilà, j'ai pas mal joué au FPS sur PC, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois, je suis pas un nerd qui va jamais à la douche, quoi. Hein. Voilà, je joue pas mal aux jeux vidéo, mais bon, je joue tout confondu. C'est pour ça que je fais des let's play aussi. C'est pour ça que je fais du Age of Empires. J'ai fait aussi pas mal de StarCraft 2. J'ai une grosse période de StarCraft 2. Où j'étais un acharné de StarCraft 2, j'étais monté à 300 APM, j'étais un acharné de ça, je ne jouais même plus à un seul FPS, j'avais abandonné complètement CS. J'étais en mode, ouais, putain, StarCraft 2 c'est ma vie et tout, parce que j'adore aussi les jeux de stratégie. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne d'ailleurs, faudra que je m'y remette. Mais ouais, voilà quoi, hein, c'est un 3 là pour l'instant, c'est pas mal, hein, surtout qu'en plus on est mal parti. Mais on va remonter, on va remonter, je le sens bien. Donc, bah voilà. Bon bah les gens, on se laisse là, et puis du coup bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe où vous êtes dans la journée, puis on se dit bye bye. Allez, à ciao ciao, portez-vous bien.